And I know that the spiritual food that we'll get va être très excellent. Will be very excellent. Excellent. In Jesus' name. In opening, we're going to go in Psalm 24. Si vous avez vos Bibles, so if you have your Bibles. Psalm 24, verse 4. On va juste le lire en français tous ensemble pour la gloire de Dieu. Psaume de David. On va aller tous ensemble. 1, 2, 3. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia! Ouvrons nos cœurs. Open our hearts. Ne laissons pas la distraction. Let's not be distracted. Je crois fermement. I strongly believe. Que nous avons beaucoup de raisons de louer le Seigneur aujourd'hui. That we have a lot of reasons why we need to praise the Lord. Il nous a gardés, nous a préservés. He kept us. Et il nous a préservés. He kept us. Et il nous a épargné la vie. Amen. And he kept our lives. Si tu as passé par la COVID, tu peux passer par plus. Alléluia. I believe you can go through.